Shalom à tous. Oh my godness. Il y a des gens, dès qu'ils sont connectés net, ils prennent tout leur temps pour mettre tête de mort. Vous perdez votre temps. Ma page, mais toutes mes pages sont protégées. Vos têtes de mort ne peuvent pas couper mon direct. Mettez les cœurs, mon armée. Mettez-moi mon cœur, mon armée. Tous ceux qui mettent les têtes de mort juste après le direct, je les bloque. Aujourd'hui, je suis triste, malheureux. Ça fait 3 jours. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il y a des gens qui doivent comprendre que dès que vous êtes connecté, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord mettre les cœurs. La deuxième des choses, c'est de partager la vidéo. Ça ne doit même pas être quelque chose même qui doit même vous... C'est-à-dire hésiter. Dès que connecté, dès que partagé. Voilà. Sur ma deuxième page, à partir de 2000 personnes, je commence à parler. Donc, mets-moi les cœurs, poussez les cœurs, poussez les cœurs. Poussez-moi les cœurs, poussez les cœurs, poussez-moi les cœurs. Fortement. Mettez assez de cœurs. Parce qu'il y a des gens, dès que je suis en direct, ils copient mon lien. Ils mettent dans leur groupe de démoniaques, rien que pour signaler. Donc vous, quand vous êtes connecté, vous mettez les cœurs, vous partagez la vidéo. Mettez assez de cœurs. Mettez-moi assez de cœurs, assez de cœurs. Je veux voir les partages s'enchaîner. 1000 personnes en même temps. Je veux voir les 5000 partages rapidement. Parce que si 500 personnes partagent dans 10 groupes, ça fait exactement 5000 partages. Donc ça, ce n'est pas un débat, ça doit être une évidence. Une évidence. Oh. Ah, aujourd'hui, je suis très triste. Très, très, très triste. Je suis très triste. Oh. Parce que il y a des fêtes. Quand ces fêtes arrivent, tu ne peux que penser qu'à ta femme. Aujourd'hui, tout le monde est en train de préparer des petits cadeaux pour leur amoureux, les petits dons qu'ils vont aller faire. Et tu es assis là tranquillement. Tu penses à ta femme. Et puis, c'est tellement triste que tu te dis, déjà 2 ans. Jusqu'à actuellement, c'est comme si ma femme est allée en voyage. Et c'est comme si elle va revenir. Il y a des moments donnés, je me lève. Et puis, j'ai dit, mais attends, mais maman, elle est où? Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tu as l'impression que tu es endormi. Et après, tu te réveilles et tu es face à la réalité. Mes amis, c'est genre, et puis ce qui est malheureux, encore plus douloureux, c'est que le mois prochain, c'est pas l'anniversaire, mais c'est la date, le mois où maman est partie. Donc il n'y a pas de moment de... C'est très difficile. C'est pour ça, ceux qui ont la chance d'être encore avec leur mari, d'être encore avec leur femme, d'être encore avec leur copine, leur copain, au lieu de vous disputer, vous battre, aimez-vous. Profiter, parce que lorsque la personne avec qui vous êtes partira, c'est pas sûr que vous puissiez retomber encore amoureux. C'est ça le problème. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je peux rencontrer une belle femme, je peux rencontrer une belle femme sexy, elle peut me plaire pour le sexe, mais après le sexe, elle ne me dira plus rien. Parce que tomber amoureux est une chose totalement différente de la sexualité. Le plaisir, l'envie sexuelle n'est pas la même chose que de tomber amoureux. Une femme peut te plaire, ça ne veut pas dire que tu es amoureux d'elle. Une femme peut te séduire sexuellement, ça ne veut pas dire que tu es amoureux d'elle. Mais tomber amoureux, c'est tout autre chose. La personne devient ton ami. La personne devient ta confidente. La personne devient tout. Vous êtes ensemble. Quand tu ne vois pas la personne, tu n'es pas en paix. Quand tu voyages avec la personne. Ça devient... C'est quelque chose d'extraordinaire. Tomber amoureux. Il n'y a rien de tel. Donc, quand tu finis de connaître l'amour dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, lorsque tu as connu une femme qui, malgré tes infidélités, malgré tes bêtises, elle t'a toujours aimé, elle a toujours été là. C'est pas évident. Je vous dis, c'est moi qui vous le dis. J'ai connu plus de 200 femmes. Mais la question est la suivante. Ma femme n'est plus là. Pourquoi je ne prends pas une de ces femmes pour l'épouser?
elles étaient là juste pour le plaisir sexuel. C'est chez elles que je voulais réaliser mes fantasmes. Mais il y a une femme là. Non. Quand elle rentre dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Partagez la vidéo. Tous ceux qui partagent cette vidéo, je prophétise sur vos vies. Que l'Éternel vous donne des personnes qui vont vous aimer véritablement. Ah ça, je le dis. Ah ça, je le dis. Ah ça, je le dis. Parce que souvent, des personnes pensent que... Et il y a des femmes qui pensent que parce que leur mari leur a trompé, cela veut dire qu'il ne les aime pas. Non, c'est faux. Le gars a besoin d'une pute. Celui qui va réaliser des choses, des fantasmes, qui va brutaliser, à qui va faire des choses bêtes, bêtes, bizarres. Mais il y a une femme là qui est dans son cœur. Si la femme là dit je te quitte, le monsieur là ne peut pas dormir. Si la femme là dit je m'en vais, le monsieur là ne pourra pas dormir. Donc c'est tout à fait comme ça. Donc il y a une femme. Oh, partagez-moi la vidéo. J'ai connu des femmes qui m'appellent. Oh mon général, mon mari m'a trompé, moi je le quitte. J'ai dit tu le quittes pourquoi? Elle dit non je le quitte parce qu'il m'a trompé. Il dit ah. Quand tu lui as dit que tu pars, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il s'est mis à pleurer, il m'a demandé pardon. J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas fait venir l'autre femme en même temps? Parce qu'en temps normal, si ton mari te tombe et qu'il aime celle qui est dehors, le jour où tu dis tu t'en vas, mais ça doit être une fête. Ça doit pas être un moment triste, ça doit être une fête. Mais lorsque l'homme commence à pleurer, maman, c'est qu'il y a un problème, oh. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, il y a un gourmet. C'est que le gars, il t'aime véritablement. C'est que l'homme là, il t'aime véritablement. Moi, j'ai trompé ma femme. Je le dis depuis plus de 5 ans. Ma femme était vivante, elle est là. J'ai dit la femme que vous voyez là, je l'ai trop trompée. Dans des tromperies bizarres. Dans des tromperies farfelues. J'ai trompé ma femme. Voilà, avec des métisses, avec des turcs, avec des arabes, avec des colombiennes. Je faisais la collection. Je goûtais. Mais il y a une qui est à la maison là. Elle se joue les bêtes. Pas parce qu'elle est bête, parce qu'elle t'aime. Et quand tu finis de coucher avec une fille dehors, toi-même tu as assis et tu te dis merde. Ça m'a rapporté quoi? Merde. C'est-à-dire tu finis même de baiser la fille. Et puis ton cœur est encore plus triste. Tu es encore même mécontent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller commettre cette bêtise-là? Cette bêtise-là. La fille m'a couché à côté de toi. Ton cœur est chaud. Mais comme c'est le plaisir, tu es obligé de lui dire pardon. Parce que tu peux rencontrer une fille. Bon, tu regardes un peu ses fesses, tu regardes ses seins, tu dis non, je vais la goûter. Pas parce que tu aimes ta femme. Tu n'aimes pas ta femme. Parce que tout simplement, tu as besoin d'une, comment on appelle ça, d'un con. On peut lui donner un nom même. D'une expérience. Mais il y a une femme qui est à la maison. Non, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Donc, aux femmes, je le dis, tromper là, c'est pas parce que le gars ne t'aime pas. C'est parce qu'il aime baiser, il aime le sexe. Qu'il veut goûter, expérimenter. Mais le gars revient toujours à la maison. Accepte-le. Lave-le. Prie pour lui. Mais pendant que vous êtes en vie, et ça, j'aimerais le dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas vous dire cette vérité. Mettez-moi le cœur, écrivez mon général révèle. Écrivez-moi mon général Atangana Makoso révèle. Ça, c'est une vérité que beaucoup de personnes ne pourront pas vous dire. Vous allez perdre le temps dans les disputes inutiles. Non, j'ai appris que tu me dis qu'au lieu de vous, au lieu de vivre votre amour, il y a 5, il y a 4 ans, j'ai fait 19 ans de vie avec ma femme. Pendant 15 ans, on a connu nos moments difficiles, nanani, nanana. Mais les 4 années, de nos 19 ans de mariage, j'ai compris qu'il fallait que je vive. Parce que là, on ne vivait pas. On était ensemble, on essayait d'être compatibles, on essayait. Non, mais là, j'ai pris la résolution en disant, il faut que je vive. Avec ma femme, on commençait à sortir. Il y a des gens qui ne sont jamais allés prendre une glace avec leur femme. Il y a des gens qui ne sont jamais, je dis bien jamais, dis ma chérie, allons prendre une glace, jamais. La femme est à la maison. Tu as préparé, tu as lavé la douche, tu as lavé les affaires. Mais toi, tu es quel genre d'homme? Mais toi, tu es un abruti. Partagez-moi la vidéo, il y a sacré. Sacré un peu des gens ici. Des abrutis notoires. Ils n'ont même pas la capacité de sortir avec leur femme. Des salopards qui n'ont même pas le privilège d'amener leur femme dans un restaurant. Leur femme n'a jamais fait ce qu'on appelle un spa. Même salle de massage, ils ne sont jamais allés avec leur femme. Même tu vas aller quelque part. En vacances, jamais.
La seule chose qu'il sait faire, rentrer à la maison, tu as préparé, manger, monter chez elle le soir. Il ne s'intéresse même pas à savoir est-ce que sa femme est heureuse. Pour lui, il doit être un dictateur de Mobutu, Sese Seko, Koku Bendou, Wazabanga, Massa. Massa. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Problème. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas encore compris que dans la vie, être une tisa, c'est la pire de toutes les malédictions dans la vie. Il y a des femmes, leur spécialité, elles aiment que les hommes mariés. Parce qu'elles estiment que l'homme marié, il est rentable. Mais jusqu'à quand, ma chérie? Jusqu'à quand? Maintenant, on dit la fête des amoureux. C'est toi maintenant qui vas le stresser. Allô? Oui, aujourd'hui, à ce moment-là, c'est pas elle, ça doit être moi. Le stress inutile. La bêtise humaine. Moi, aujourd'hui, c'est un jour très difficile pour moi. Très difficile. La seule chose qui me réjouit, c'est que quand mes enfants me regardent, mes enfants me disent toujours, papa, maman était trop heureuse avant de partir. Mes enfants spirituels me disent, papa, maman était trop heureuse avant de partir. Ma femme avait grossi, ma femme était épanouie. Et elle m'a dit, Camille, tu as changé. Quand une femme te dit ça, donc imagine comment j'étais dictateur. C'est moi qui dis, on ne fait pas ça, on fait ça, ne marche pas comme ça, je ne t'abuse pas comme ça. Je lui dictais tout. Un jour, je lui ai dit, c'est bon, tu n'es pas une enfante. Je ne suis pas un enfant. Ce qui peut te rendre heureuse, fais. Voici mes cartes au banquier. Quand on arrive à payer, voici mes cartes. Va faire les achats que tu veux. Combien d'hommes? Je me pose la question. Aujourd'hui, si tu viens me dire, mon général, est-ce que tu peux retomber amoureux? Je vais te répondre officiellement que ce n'est pas possible. Peut-être qu'une femme pourrait rentrer dans ma vie juste pour me consoler. Parce que je peux tourner de sexe en sexe, de sexe en sexe. Donc, il faut une femme qui pourra s'occuper de mes enfants. Et qui pourra me toutouya, bien me mougou. Mais dit retomber amoureux, c'est une femme à qui je pourrais admirer, aimer. Mais dit tomber amoureux, ce n'est pas possible. L'amour, tomber amoureux, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Si vous avez la chance d'être en couple, si vous avez le privilège d'être en couple, je vous conseille une seule chose. Ne vous attardez pas sur les futilités. Les futilités, c'est quoi? J'ai appris que. Les futilités, c'est quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Les futilités, c'est quoi? Tu étais où hier? Non. Vivez le présent. Parce que vous ne savez pas quand la mort va frapper. Quand est-ce que la mort? Ton mari, peut-être, il est allé au travail. C'est pas sûr qu'il puisse entrer. Rentrer, c'est un privilège. Ta femme est sortie. Rentrer, c'est un privilège. Quand elle rentre, vivez votre amour. Parce qu'elle aurait pu faire un accident. Il y a aujourd'hui mon ami, le pasteur Germain Kuiper, le chanteur Germain Kuiper, qui partait faire un spectacle, qui est monté dans un dîner. Accident, il est mort, lui et l'apprenti. Cadeau, comme ça. C'est-à-dire, personne ne sait quand est-ce que nous allons partir. Donc, lorsque nous avons le temps d'être en vie, c'est pour ça que quand je suis avec mes enfants, je leur donne tout ce qu'ils veulent. Papa, on veut iPhone 13 télé. Papa, on veut une voiture télé. Papa, je veux un canal dans ma chambre télé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quand est-ce que je partirai. La vie est quelque chose de tellement fragile. C'est-à-dire, pendant que je vous parle, je peux piquer une crise. Et en direct, je meurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est mon temps qui est arrivé. Ou c'est qu'on a un accident cardiovasculaire. Vous avez cette chance. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Les gens seront avec leurs chéris. Moi, je serai seul avec mes enfants. La vie que vous voyez, vous ne connaissez pas. La vie. Tout à l'heure, je devais être sur le cimetière de ma femme. Quand je vais sur le cimetière, au cimetière, je ne prends jamais de photos. Parce que je n'aime pas faire le culte de ça, voilà, il était au cimetière, il prend photo, il vient mettre sur les réseaux sociaux, ça, moi, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas les gens. Vous êtes en vie. Profitez de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Je suis le général Camille Makosso. Tous ceux qui ne m'ont pas encore envoyé un message sur mon WhatsApp pour dire, mon général, je veux mon livre, envoyez-moi le message maintenant sur le 00225 01 50 50 50 22. Je réponds 00225 01 50 50 50 22. Les 500 premières personnes qui vont m'amener le message, que Dieu vous bénisse. Là, je suis allé faire mes démarches pour prendre mon visa du Cameroun. Voilà. Je suis allé prendre le visa.
J'ai déjà mon billet d'avion. Le billet d'avion qui est déjà prêt. Demain, je suis au Cameroun. Donc, à partir de 18h30, nous allons atterrir au niveau de Yaoundé. Donc, je serais vraiment très heureux à ce que tous mes fils et mes filles, mes fans, les Camerounais qui se sont abonnés à ma page, qui m'ont soutenu, nous puissions nous voir demain à 18h30 à l'aéroport de Yaoundé. Parce que beaucoup de personnes, quand je vais arriver, vont m'amener des messages. Mon général, moi, je veux vous rencontrer. Ce ne serait pas possible. Je n'ai pas fait des rencontres de tout le monde. Voilà. Je ne peux pas recevoir plus de 500, 800 personnes. Ce n'est pas possible. Voilà. Moi, lorsque j'arrive maximum, c'est 200 personnes seulement que je peux recevoir. Et il y a des conditions par rapport à cela. On va organiser après un autre programme le samedi et le dimanche dans l'église du pasteur Alex de la cathédrale de la foi à Eliko Essono. Donc, ça, on va prendre le soin de l'organiser. Mais à l'aéroport, au moins, on peut passer une heure de temps ensemble, se parler, prendre des photos, faire beaucoup de choses ensemble. Les amis, la vie que nous sommes en train de vivre, on n'aura pas de vie. Donc, du fait que nous sommes en vie, mon frère, si tu as 3, 4, 5 copines, mon frère, tu es en train de faire des dépenses inutiles. La plus bête parmi elles, celle à qui tu ne donnes rien, mais tous les jours, elle est derrière toi, elle te dit, je t'aime, là, c'est elle qui est ta femme. La véritable femme que tu dois avoir, c'est celle qui a honte de te demander de l'argent. Mais une femme qui, tous les jours, prête à te demander de l'argent, c'est une sorcière. Non, c'est une sorcière. Et puis, son maudit. Moi, ma femme ne m'a jamais demandé de l'argent de toute notre existence. Même pour me parler, Camille, dit, mais bébé, voici la carte bancaire. Va faire tes courses, va faire tes retraits que tu veux. L'argent que j'ai là, c'est pour toi. C'est important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous accorde la longévité, que Dieu apporte dans votre vie tout le bonheur, tout le succès et toute la grâce. Je suis votre serviteur, le général Camille Makosso. Que toutes les femmes qui ne sont pas mariées, écrivez-moi sur mon WhatsApp en disant, mon général, s'il te plaît, je veux mon livre. Dans mon livre, j'ai donné les stratégies et les secrets pour avoir, je peux le dire, un mari. C'est très, très, très important que la grâce, la faveur, l'élévation, la bonté, la puissance soient votre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen.